Bien sûr que je regrette parce que ça démarre toute ma vie. C'est. J'ai 36 ans, j'ai. Aïe, ma vie, elle est passée, quoi. Je veux dire, toutes mes années de jeune femme, voilà, c'est derrière. Je vais te. Inch'Allah, je vais tout reprendre en main pour mes enfants. Je vais me battre pour eux. C'est eux qui me tiennent, en fait. Même s'ils sont plus là aujourd'hui, je me battrai pour eux. Bien sûr, je vais rentrer en France, j'ai ma famille et j'ai envie de reprendre ma vie, j'ai envie de réparer mes erreurs. Ça fait 4 ans que je suis emprisonnée, donc je pense que ça doit être pris en compte et je vois pas pourquoi j'irai en prison. Je trouve que c'est injuste parce que j'ai rien fait, j'ai pas de sang sur les mains, j'ai pas bombardé, j'ai pas tiré sur des gens, j'étais une femme au foyer. Je m'occupais de ma maison. N'y a pas un jour où je pense pas à eux. Même mes deux grands, quand je suis arrivée ici, c'était très dur. C'est quand je suis tombée enceinte d'Ibrahim, ça a été beaucoup plus facile. Mais tout le temps, depuis bébé. Je parle à mes enfants de leur grand frère, qu'un jour ils les verront, que. J'ai toujours gardé espoir de ça, que un jour je verrai mes 5 enfants ensemble. Enfin, j'espère un jour pouvoir revoir mes enfants, on sera autour d'une table tous les 6. J'aimerais que la France soit conciliante par rapport à ça, qu'ils fassent un peu plus d'efforts à venir nous voir ici. Les journalistes y viennent, donc pourquoi eux ne viennent pas?